Et salut tout le monde, c'est Monsieur VDR le Mike. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici ça va plutôt pas mal. On est parti sur Plague Tale Innocence. C'est parti pour un nouveau let's play, c'est l'épisode numéro 1. J'ai jamais joué à ce jeu, il vient à peine de finir de s'installer. On va découvrir ça ensemble. Ça a l'air d'être vraiment mon genre de jeu. Je pense que je vais bien kiffer. J'espère que vous aussi. Donc c'est parti. Pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Ça a l'air quand même vachement haut comme sensibilité. Regardez, Lyon. Le fauve de Guyane est pressé d'en découdre. Ah, mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. La vie devait être sacrément sacrément rude, mon pote. Je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Mais il était accroché à l'arbre. Chacun a ses obligations. Tu sais, dans une famille. Hey, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose. Bah, à mon avis, c'est bien leur nom de famille de rune. Je disais, chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Excusez-moi, j'avais déposé la manette. Bien sûr. Attends, je vais essayer de régler la contrôle. Non, mais c'est pas ça, moi. Caméra. Sensibilité. On va mettre à 80. Là, c'est mieux, là, non? Franchir l'enceinte de l'épreuve. Amicia de Rune n'a peur de rien. Ouais, parfait. Je compte jusqu'à 10. Donc, je suis désolé. 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Ok. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Est-ce que je peux courir? Non, apparemment. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien, reviens. Place-toi derrière ce trou. Tu tireras d'ici. D'accord. Maintenez L2 pour viser. Alors, avec votre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ma fille. 6, 7, 8. Et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. 9 et 10. Voilà. C'était fait exprès, tu sais. Je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a dû. Attends, on va chercher de la caillasse. Devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Suivre Lyon, donc il s'appelle Lyon, mon chien. D'accord. Lyon, attends-moi. Lyon,
un chien de chasse. Il n'est pas censé semer son maître. Lion. Mais où il est? Oh, tu es là. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Qu'est-ce que tu as senti? Oh là là, un sanglier. Oh la vache. Il a trouvé quelque chose? Oh bah putain. Chut. Venez voir, un sanglier. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher. Mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Putain! Je dois y arriver. Comment il m'a vu? Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Attends, tu vas voir. Je vais essayer de l'attraper par là-bas. Est-ce que la fin Bim toujours dans le museau, mon pote. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non. Allez, lion, ne me lâche pas. Alors, en même temps, un petit caillou dans le museau, bon. Attends. Moi, une fois, j'ai mis une cartouche, j'ai pété les deux pattes arrière au machin. Il a fait un kilomètre comme ça. Et c'était ça, avec un 12, hein. C'était pas avec un petit caillou. Ne le lâche pas, Lion. J'arrive, Lion. Retiens-le et tu auras un beau morceau, rien que pour toi. Oh, ouais. Je vais m'enfoncer là-dedans. Ah, je suis passé du mauvais côté. Là. Le sanglier. Ah, il y a du sang, ouais, il est passé par là. Allez. Alors attends, je vais lancer un chronomètre. Il a dû le trouver. En même temps qu'on joue, je vais rajouter 5 minutes au chiffre que je vois. Oh, des choses toutes neuves. Des choses. Je vais m'entendre parler. Ah ouais, mais gros, s'il est passé par là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi il est... Me dis pas que c'est les rats qui lui ont fait ça, hein. Lion! Viens, mon chien! Lion! Où est-ce qu'il est? Je suis là! Je l'entends miauler. Moi, quand je dis qu'un chien miaule, c'est qu'il fait ce bruit-là, tu vois. T'es sérieux? Quelle est cette diablerie? On rentre. Quelle est cette diablerie? Je pense que c'est les rats, moi. A plague innocence. Donc ça, c'était le petit didacticiel, comme dans tous les jeux. Maintenant, on va se lancer dans la vraie histoire. Donc, désolé au début là, les réglages, le machin, bon, c'était un peu lent à partir, mais maintenant, ça y est, nous nous lançons dans ce jeu qui a l'air magnifique. Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... En train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. Et où des rivets pour renforcer la porte.
voulais faire encore? T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Ah. Ok, les troupes anglaises. Elle risque de pas être de bonne humeur. Bon, apparemment c'est par là. Oh, ils avaient de la bouffe quand même. Qu'est-ce qui s'est passé au village? Tu sais, les gens qui ont été mordus. Il y a des enfants aussi, t'imagines? À chaque fois, c'est arrivé la nuit. La famine, les Anglais à nous. Et maintenant, des vampires. Nous avons beaucoup péché, ça va être impossible. L'odeur de tes plats me réchauffe le cœur. Oh, ce n'est pas grand-chose, mais je pense que vous allez aimer. J'en suis certaine, oui. L'autre, elle a dit qu'elle était à l'étage. Il n'y a rien, là, hein. De la cannelle. J'avais presque oublié ce que ça sentait. Ils ont bien fait de la cacher. Père serait capable d'en mettre dans tous ses plats. Oh, mademoiselle Abyssia, bonjour. Je ne vous avais pas vu. Oui, bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, c'est pas une traîne de merde, hein. Il faut que je m'habitue au contrôle. Oui, dame Béatrice, j'y vais. Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, tais-toi. Mère, tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Lyon était là, par terre! Il a été... Chut. Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Je sais que tu le connais pas beaucoup, putain. Les familles à l'époque, oui, mère, vous, tatati, vous, tatata... Bon, il est où, Hugo? Il est là? Par là. Ça fait combien de temps qu'il est ici? 4 ans? 5 ans? Où est-il? Hugo? Peut-être là-dedans. Hop, cher. C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Putain. Maman va bientôt revenir. Allez, avance! Ça a bien changé, hein? Le relationnel. Ah merde! Il a parlé! Saleté d'anglais! Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Pourquoi ils veulent le fils? On t'avait dit de pas ouvrir les volets. L'intérieur. Allez là, faut qu'on parte là. Dépêche. C'est maman? Chut, 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 chut. Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Chut. Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant, vite. Oui. Chut. Hugo,
C'est moi, Gabriel. Viens vite. Tais-toi. Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein? Merde, là. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant. Vous avez... Oh, Gabriel. Voilà. Amicia. Chut. Vous auriez dû nous livrer l'enfant. C'était pourtant simple. Oh non. Oh la vache. De grâce, je... Tiens. Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. Il va. Alors dis-moi. Oh la vache. Hugo de Rune. Putain, ça pue la merde, hein. Maman, elle... elle saura quoi faire. Déjà, là, on a évité la mort, mais assuré, hein. Oh mon Dieu, Louise. Et toi, juste de faire mourir, hein. Pitié. Ça sert à rien de... Non, je veux pas. Il faut qu'on avance. Où sont les écrits de ta maîtresse? Parle, n'oblige pas à venir en campagne. Je sais rien. Je me sens juste du linge, moi. Allez, 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 allez. C'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une bonne âme. Non, il reste encore des pièces à fouiller. Tuez-moi ça. On va où là? On va se cacher en haut du... On peut pas remettre l'échelle là, bordel à queue. Ah la vache. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça? Boum. Mes enfants. C'est pas trop le moment là, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui? Oui. Donc il y avait marqué quoi là? Hugo attirera l'attention des gardes, je sais pas quoi. C'est qui? Jardinier, il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Fleurs? Oh. Va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. Soutirez-lui tout ce qu'il sait. Non, pitié. Silence. On a réussi. Cassez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... des lâches. Des pourritures. Oh. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord. Attention, descendons. Oui. Hein? Et Robert de Rune a eu le temps. Gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les
Eh ben alors là. Ah, c'est que j'ai pas de cailloux, d'accord. C'est bien ce qui me semble. Ce bruit. Viens, ça venait de là-bas, je crois. Ils sont toujours aussi cons dans les jeux, hein, les. Tu tires un caillou ou une douille. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Putain, il va être malade en plein. Ah oui, d'accord. Pas le bras armé. Faut que je me calme. T'as jamais eu meilleur capitaine. Bien. Non, Amicia, ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai. Merde. J'ai entendu un truc. Ça va bien. Reste prudent. On ne sait jamais. Alors, il n'y a pas de... Il n'y avait pas de difficulté. Pas facile, normal, difficile. Si tu lançais un de ces pots, vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos, d'accord? Ok, on va l'attirer vers où? Rien à signaler. Formule. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Ah, c'est une quiche, lui, hein, parce que j'étais vraiment à côté de lui, là. Bon, eux ils ont la peste, moi je suis enrhumé. Je préfère avoir le rhume, hein. Oh, verrouillé de l'autre côté. Merde. Il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord? D'accord. Allez, mon grand. En fait, lui, c'est un atout. Parce que je peux lui donner des ordres. Attends ici, rejoins-moi, va faire ça. Bonjour, prends ma main. Viens. Bordel de merde. Demandez grâce, ne fais pas courir plus vite, mon ami. Oula. Allez, maintenant on y va. Suivez-moi. Putain, ils ont vraiment tout envahi, les salopards, hein. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ma tête... Maman... Qu'est-ce qu'il crie? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête. Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Avaler. Le brouillard est recraché. Les nuages. Je crois, oui. Alors. Ça veut dire fumer l'opium, en gros. Hein. Parce qu'en fumer l'opium, on disait ça pour. Quand on fumait, quoi. On avalait la brouillard et on recrachait des nuages. Oh, voilà. Merci. C'est en même temps un atout et en même temps une épine dans le pied, un peu, ce gosse. Parce que. C'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. Ben voilà exactement pourquoi. Oui. Hugo, toi, va voir le temps de passer. C'était quoi? Je dois les prévenir maintenant. Psst, venez, on arrive. Oh la vache! Allez, allez, vite. Bravo. Rien. Par ici.
Non, je vais ramasser de la caillasse, moi, au cas où, hein. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. Pas con, on attendra qu'il reparte, ben oui. Chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... Et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Alice. Tu es... Si, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Quand il a empalé, il se bim. Allez là, dépêche. Hugo. Vite. Oh la vache. Elle va nous rattraper. Ah. Mais ils sont partout. Moi, à mon avis, ils vont se faire manger par les rats, mon frère. Tais-toi, gamin. Non. Mais là, il fallait faire... il fallait faire quoi? Un peu enfilé parce que on avait déjà une lumière rouge au cul là, hein, à cet endroit là. À mon avis, il y a les rats partout. Tais-toi, Hugo. Allez, à la rivière. Saute dans l'eau. Ah merde, moi j'ai vu appuyer sur rond, en fait c'était pour passer. L'installation du prochain chapitre n'est pas terminée. Ben écoutez mes amis, c'est la fin de ce premier épisode. C'est plutôt pas mal franchement. Moi, j'aime vraiment bien ce jeu. J'accroche vraiment. Dès que le chapitre est installé, on se relancera là-dedans pour l'épisode numéro 2. Donc voilà, c'est un petit avant-goût du jeu. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mets un petit like si t'as l'air de kiffer ce jeu. Appuie sur la petite clochette si c'est pas déjà fait pour savoir quand le prochain épisode sortira. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à la prochaine dans le prochain épisode. We'll be right back.